Bonjour à tous les amis, c'est Kokojima et bienvenue dans Faites de moi un PGM. Alors je suis en compagnie de Sui Lacré en fait. Alors c'est une personne qui m'avait envoyé des messages. C'est une personne qui m'avait envoyé un message en fait sur ma boîte de réception, etc. Et il s'est proposé de vouloir participer à l'aventure avec moi, donc j'ai dit bien entendu et c'est parti, nous allons désormais entrer dans l'instance. Et faire tout simplement la suite du parcours, etc. Donc c'est parti, écoutez. Donc je précise au passage, Nous sommes tout proches, mais les fils de Svanir aussi. Je vois de nombreuses pistes qui suivent. C'est Luminator. Il se rapproche de lui. Les fils de Svanir se déplacent en petits groupes. En nous y prenant prudemment, nous pouvons les éliminer un par un avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui leur arrive. Une stratégie sournoise. Ça me plaît. Tant que prudemment ne signifie pas en nous y prenant comme des chochottes. Absolument pas. Juste que nous devons nous efforcer de ne pas nous faire remarquer. En dehors de ça, vous pouvez frapper aussi fort que donc vous. Donc ça, vous vous souvenez, vous l'avez c'est déjà... C'est ce que je voulais entendre. Allons-y. Vous l'avez déjà vu à la fin de la vidéo. Bien sûr. Alors, petite chose, les épisodes de Fête de moi un PGM ont été, je vous l'ai bien sûr annoncé, seront... Tuez ce mécréant. Dispersez-le et cherchez sa piste. Oups. Wouah. Ah, je sais pas ce que j'ai fait comme connerie. Non ! Oh là 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 là, la grosse merde ! Donc, le truc, comme je disais, avant que... Enfin, ça, ce morceau de passage, vous le connaissiez, hein, bien entendu. Mais les vidéos de Fête de moins PGM, maintenant, se feront le mardi et le vendredi. Ça vous dit un petit défi ? Et donc, nous allons, comment dire, je tournerai maintenant davantage le dimanche, je ferai les épisodes le dimanche. Et bien entendu, les épisodes maintenant feront une demi-heure chacune et ne feront plus... ne feront plus une heure puisque c'est, je trouvais que ça faisait un petit peu trop long comme épisode. Donc, et on fera aussi, je ferai une petite vidéo spéciale sur les instances, en fait. Pas sur les instances, il y aura les événements, des events qui débuteront demain, en fait. Et donc, comment dire ça? Alors, je suis désolé hein, de parler un petit peu mal, c'est parce que là, je suis carrément dans le mouvement, entre guillemets. Donc il y aura des events à partir de demain qui s'estomperont le 9 juillet en fait avec des quêtes exclusives, etc. Donc je ferai des vidéos spéciales en fait sur les events, tout simplement. Je suis désolé, j'ai énormément de mal à parler, c'est que j'étais pris dans le truc là. Puis surtout que ce passage, en plus de ça, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc, c'est l'esprit du Minotaur. Les fils de Svanir l'ont encerclé. Eh bien, ça ne va pas durer. Hé, l'esprit du Minotaure est sous notre protection. Baissez vos armes et reculez bien gentiment. Mais t'as cru ou quoi? Jamais. C'est notre proie. Nous étions là les premiers. Je vais arracher des têtes et les accrocher à Holbrach à côté des bois d'élan. Maintenant, en arrière. Dernier avertissement. Tuez-les, mes frères. Le serviteur draconique doit être nourri. Oh, motherfucker. Prends ça, écoute à ça. Alors. Holy crap! Ah.
Yay! Turner, man! Ah, c'est déjà nettement plus facile quand on a des collègues avec nous. Donc comme je vous le dis, n'hésitez pas, hein, si vous avez tous aussi envie de suivre et de rejoindre, de me rejoindre pour participer à l'aventure avec moi. Comme je le répète à chaque fois, vous êtes tous invités à participer à l'émission avec moi, bien entendu. Je serai on ne peut plus ravi. Yeah! Ça va nettement plus rapide, hein. Du calme, profondeuse. Cet esprit le sait que nous ne sommes pas ses ennemis. Si vous plongez votre regard dans le sien, vous lirez une profonde gratitude. Maintenant, regardez un peu ses blessures. Il est faible, épuisé. Vous avez vu la boue sur ses sabots? Ça semble provenir des falaises d'Écorche-Nuit. La boue et ses blessures viennent probablement du même endroit. Et c'est là que nous trouverons les fils de Svanir et les Minotaures captifs. Alors, comment régler le problème des gardes et secourir les prisonniers? On pourrait se déguiser en marchand de bière, saouler les fils de Svanir et nous introduire subrepticement. Subrepticement! Vous pourriez également demander la bénédiction du Minotaure. S'il vous transforme en l'un d'eux, vous pourrez peut-être vous approcher suffisamment pour les libérer. Oh yeah. Alors, on saoule les fils de Svanir ou on les laisse se faire piétiner par une... Ah, comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, non. Faites-moi signe quand vous aurez fait votre choix. On les saoule et on les laisse se faire piétiner par les Minotaures. Ce genre de décision. Yeah! Ta-ta-la-ta! C'est un plaisir de vous voir ici. Accepter la bénédiction du Minotaure et prendre l'apparence de l'Étien. Alors, que préfères-tu? Que préfères-tu? Que préfères-tu? Bourrin? Bourrin? Bourrin ou stratège? Bourrin ou stratège? C'est là toute la grandeur de la chose, on peut choisir... Oh, magnifique. Inébranlable. Bourrin. Les fils de Zanir ont l'air assoiffés, nous allons nous déguiser en marchand de bière. Acceptez la bénédiction et prendre l'apparence d'un des siens. Ne vous inquiétez pas pour moi, cette fois-ci c'est la proie qui prendra le chasseur. Oh. Puissance 34, vitalité, précision... Accepté. Yeah! Changez d'arme, yeah! Il est grimpé dans les velles. Wow. Où est-il? Il a disappear? Il a disparu? Je ne les vois plus. 22, 34. Hop. Contrefort des voyageurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouah! Hey, let's go. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je pense que ça devait être du... Trouver de la nourriture de lapin et la porter, la ramasser. Wow, wow. Bonne chasse. XD, les lapins rageux. Et il est rageux. Bon, à vrai dire, OSF, hein, des lapins. Les esprits de la nature vous souhaitent la... Alors... Je sais que je pourrais rajouter, il me semble, un point de compétence. Modifier la rotation... Carte di monde. Alors... Oh yeah, point de passage. Ah oui, non, mais je l'avais déjà eu.
Point de passage. Wow. Faut qu'on aille au bosquet de Taïga. TP au bosquet. On va se TP au bosquet. Alors. TP au bosquet. Oh yeah, watch out, watch out. Oh yeah, complètement métal. Alors, on se TP au bosquet de Taïga. Comme ça, ça ira beaucoup plus rapide pour faire la suite, pardon, de cette instance. Donc, je me répète encore à nouveau, hein, Mais n'oubliez pas que les vidéos se feront le mardi et les vendredis et feront une durée chacune de 30 minutes, donc. Ce qui nous permettra de tenir un rythme un peu plus régulier, on va dire, et sans forcément vous tenir pendant une heure par semaine, ce qui, au final, peut paraître long. Alors... Les falaises des Corchenus. Oh. Drake. Et Drake d'ailleurs, je sais plus, mais il me semble qu'il faisait partie de Guild Wars 1 aussi, si je me souviens bien. Hop, et là. Alors, qu'avons-nous par là? Du minerai. Ouais, mais il me semble que j'ai pas ce qu'il faut pour le minerai. J'ai pas de hache ou... Ah si, j'ai une pioche, un minerai de cuivre. Ok. Ouhouhou. One shot. One shot. Oh yeah, un. Oh, un bâton. Oh merde. Fouillé. Mini sac de glace. Mini sac de glace. J'ai une zone deal. Oh yeah. Source de soins. Nickel. Nickel ça. Source deal. C'est très bien comme ça. Allez, c'est parti. Oh, niveau 8 recommandé. Lol, on en a rien à foutre. D'où on est des fous. Niveau 8, c'est pour les tapettes. C'est mieux avec le niveau inférieur. Alors par contre, ça c'est vachement bien, je trouve, les instances où ils se permettent de dire qu'on a besoin de niveau un petit peu supérieur pour... Wow. Oh, les bestiaux. Attention, la voix. Par le bec du corbeau, je suis un minotaure. Merci, esprit. Je ferai bon usage de ta bénédiction. On dirait qu'il y en a un qui traîne la patte. Me... Ça vient de faire rentrer dans l'enclos avant que Vidkun ne s'aperçoive qu'il en manque un. Par ici, crétin de bovidé. De la viande fraîche pour la bête. Pour le champion du dragon, l'appétit vient en mangeant. Allez, goinfre, c'est parti. What the fuck? On me suit dans l'enclos. Voilà. Cette arme, camarade. Sur un chasseur mort, près du sanctuaire de l'ours. Mort? À cause de quoi? Moi! Yeah! Allez, dans l'enclos! Moi! C'est moi qui m'ai dit traîner! Et voilà. Maintenant, tu restes ici jusqu'à ce que Vidkun revienne. Vidkun. Oh oh oh! Vidkun, je le prends et je l'ai tripant en deux.
Minotaure alpin. Je vais nous faire sortir d'ici dès que n'ayez crainte. Il vaut mieux ne pas avoir de femmes dans nos rangs. Elles sont caractérielles, enquiquineuses, et elles racontent n'importe quoi. C'est pas faux, mais d'un autre côté, elles ont des formes et leur parfum. Je veux dire, comment allons-nous créer notre descendance sans l'aide des femmes? Ça me peine d'avoir à le reconnaître, mais c'est pas fou. Oh yeah! Goûtez-moi toute cette puissance! Oh! Boom! Maudit Minotaure, essayez de ne pas les tuer. La bête préfère les proies. Alors ça, par contre, faut le faire extrêmement loin. C'est hallucinant. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu de mal là avec le. Ouais, en fait, le truc super con quoi. Boum! Sentez-moi toute cette puissance! Oh fuck! Pas ce qui s'est passé. Ah, allez les bestiaux, vous êtes libres. Mais n'oubliez pas de laisser au fils de Svanir un beau souvenir de vos sabots. Je te remercie, esprit. Ta bénédiction a fait toute la différence. Oh, le bordel que c'était. Et aussitôt que j'aurai trouvé Eir, nous partirons tous les trois traquer Vidkun et son dragon. Et nous mettrons un terme à cette affaire une fois pour toutes. Yeah, tutulu. Oh. 24, 25. Ouais, nous, allez, on s'en fout. Tout en puissance. Oh. Totem. Quittez l'instance. Il y a un petit truc à escalader. Ah, ce fail. Oh. Tiens, une petite quenelle, voir. Des cascades de neige et de glaciers. Quel air magnifique que le peuple des Nornes. Voyez par vous-même et admirez la beauté du paysage. Oh yeah, gain de niveau. Wow, wow, wow. On va faire le point de compétence, tiens. On va faire le PC. Wow, wow, wow. What the fuck? Il y a un petit peu beaucoup de monde là. Hein.
recule, faut que tu recules, faut que tu recules. Oh shit. Ah mon dieu. Ah mon dieu, oh mon dieu, c'est le bordel, c'est le bordel. J'ai besoin d'un instant. Et vite, fuck, 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 fuck. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on veut réanimer, on veut réanimer, on veut réanimer. Oh, oh mon dieu. Oui, si tu veux que je m'affronte, que je t'affronte. Whoa, what do you want, asshole? You wanna fight with me? I don't scared of you. Boom. Oh yeah. Heal. Vous êtes peut-être dingue à entendre mon histoire. Yeah. Ouais, bon, en fait, ça, on le savait déjà. Yeah! Too higher. Alors, la suite de l'instant se trouve où? Wow. Sonicor. Il faut du Sonicor. Comprenez, les amis, il faut du Sonicor. J'ai pas eu le PC. Ah non. Tu l'as pas eu? Il ne l'a pas eu. Ah ok. TP, on visite où? On va visiter des dieux. On va visiter des dieux. Oh le beau. Because I'm a fucking bitch. Mouflon. En plus, paye le nom du mouflon, quoi. Fouillé, pavé. Wow. Oh, vas-y, j'ai envie de sauter. J'ai envie de tenter. Wow. Alors, attends. Faut trouver un lieu assez adéquat pour sauter. Oh, fuck. Ah, fuck. J'ai complètement fail. Ah putain. Bah alors on va aller au Sonicor. Sonicor. A vu ça voler. Ah bah là je l'ai bien vu. Mon cadavre bug. Ah fuck, j'ai pas vu, dommage. Sonicor. Yay. Yay, alors. Hop. Nous allons continuer l'aventure. Alors. Alors ça va, je viens de découvrir en plus des petites choses comme le halt pour cibler un ennemi ou autre, donc c'est plutôt pas mal. Il m'a appris quelques trucs aussi pour déplacer certains objets plus rapidement dans les menus, etc. Donc voilà, c'est ce genre de trucs qui paraissent super anodins pour certains, mais comme moi, j'ai eu beaucoup de mal. Comme je le répète, hein, dans les MMO, ça me permet d'apprendre les choses. Donc là, c'est un peu cafouillis, je le cache pas. C'est un peu cafouillis, mais... Donc on va dézinguer du monstre, et de toute manière pour le moment on peut faire que ça. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va être obligé de dézinguer des petites merdes, parce qu'on est obligé de monter au niveau 10 en fait, au niveau supérieur. Donc au pire des cas, on va être obligé de dézinguer du monde. Donc faudrait trouver du level en monstre quoi.
Ah ouais, avec une belle faute d'orthographe que j'ai. PAC! D'ailleurs, mon équipement, est-ce qu'il est endommagé? Non! Oh là, quelle horreur! 15, 24. Ah ouais, quand même. Au pire, ouais, on va pas retourner. Au pire, on va essayer de retourner écorche nuit. Sinon, ouais, on va aller ici. On va aller de ce côté-là. Alors, on va s'abattre du beau monde. Oh là, il y a un. C'est quoi ça? Yeah, fouiller sa sabot. Oh là, il y a un truc qui brille là. Il y a un Jotun. Ça a l'air d'être épique. Va vraiment falloir que je change d'arme aussi parce que. Oh fuck! Totally fail. Yay! Dans ta face, charpie déchiquetée! Jojojo tout! Oh là, le mec de hache. Ah, oh, j'ai pas mal au niveau de. Yeah, la façon dont il tombe, c'est débile, je trouve. Oh, yeah. Ah bah, il y a un truc. Jotun. Ça va être très dur, en fait, de monter de l'épée. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Pire. Oh, yeah. Dernier ombre. Hop. Fuck. D'accord. Je viens de me faire troller. Oh si, animal. Yeah. Oh, par contre, les flèches vues de bas comme ça, ça crée un peu. Putain, c'est classe. Yeah, allô. Un petit screen. Un prime écran système. Pouf. À part ça, par contre, c'est un peu long à chaque fois. Yeah. Le fail. Putain, l'autre elle se barre, elle a rien à foutre quoi. Ah ouais, non. Oh, bon monde, ça ok, c'est cool. Mauvais bouton. C'est quoi ça? Minerai de cuivre. Ah merde, je voulais m'amuser à le troller en fait. Boum, boum, et boum. Oh putain, il y a du monde. Enfin, c'est grand, je voulais dire. Pourquoi j'ai dit ça? Bon alors, tu tentes ou tu tentes pas? Tiens.